Il s'agit d'un comité de pilotage relatif à l'audit de la politique de reboisement en Côte d'Ivoire, financée par le CDD, le contrat de désendettement et de développement. Alors, cet audit a deux volets. Le volet audit des reboisements, qui fait un peu le diagnostic de toutes les actions de reboisement qui ont été menées depuis 1928. Donc, il est question de voir comment est-ce que le reboisement a été mené en Côte d'Ivoire pendant tout ce temps, afin que les nouveaux programmes soient réalisés en connaissance. Le deuxième volet de l'étude a concerné la mise en place d'un système d'information géographique pour, je vais dire, capitaliser l'ensemble des reboisements réalisés dans le domaine rural. Alors, l'outil qui a été élaboré, il a été assez performant, dynamique, il est très ouvert. Donc, en plus de ce que on pourra recenser, inventorier l'ensemble des reboisements réalisés dans le domaine rural, on pourra l'étendre également aux reboisements du domaine forestier classé.